Alors, merci à tous d'être là et à ce nouveau livre au coin du feu. Je ne penserais jamais que j'aurais un rendez-vous régulier, mais j'ai un rendez-vous régulier. Donc, ce soir, on reçoit Jennifer Murzo. Bonjour Jennifer. Bonjour Nicolas. Et parce que ce roman a été vraiment un bouleversement, quoi. Dès le titre, en fait, c'est rare les romans qui vous appellent dès le titre comme ça. Je vois le cœur et le chaos, je me dis c'est un titre assez génial. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et j'avais lu tes livres précédents, La vie dans les bois et La désobéissante particulièrement. Et là, vraiment, j'ai eu le sentiment d'une forme de révélation, enfin d'une forme de confirmation plutôt. Et j'ai trouvé que c'était maîtrisé de bout en bout, justement. Donc, je vais essayer de faire un résumé. Ce n'est pas ce que je préfère, mais je vais essayer. Donc, on est vraiment dans une structure de roman choral qui passe par trois personnages. On a une femme qui s'étiole dans son mariage et qui s'appelle Alice et qui va essayer de tromper son ennui sur les réseaux sociaux, normalement, notamment qui propose des rencontres adultères. On a un jeune homme idéaliste, un peu désabusé, un peu en recherche de sa vie, quoi, et qui, un peu junkie aussi, donc il vivote un peu. Et il va rencontrer une vieille dame qui s'appelle Iris, qui a 90 ans, et qui va lui demander de l'aider à mourir. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se déroule sur fond de dérèglement climatique, d'un monde qui bascule, en fait, enfin de toutes les inquiétudes qu'on a en ce moment qui se concrétisent quelque part. Mais c'est vraiment un fond. Et déjà, moi, ce qui m'a frappé, c'est ce fond-là, ce que l'anticipation légère te permet de raconter, en fait. Surtout que tu repasses à la fiction après un essai, notamment. Et d'où est venue cette volonté de retrouver l'univers du roman et de cette anticipation-là en particulier? Moi, j'avais pas vraiment le sentiment d'avoir quitté cet univers et ce biais de la fiction, parce que pour moi c'était le truc anormal, c'était d'en passer par la non-fiction, parce que moi je me considère comme romancière en premier lieu, et si j'étais passée par quelque chose qui n'était pas fictionnel, c'est parce que j'avais besoin de traiter de manière très frontale la question de la crise climatique, environnementale, de l'effondrement de la biodiversité. J'avais besoin de parler d'études, j'avais besoin de citer des chiffres, voilà, j'avais besoin de faire tout un tas de trucs que la fiction permettait moins aisément. Mais c'était vraiment une espèce de détour éphémère pour moi. Moi, je préfère la fiction. En réalité, je m'épanouis davantage dans cet exercice-là. Donc, je l'ai retrouvé très naturellement parce que pour moi, je ne l'avais jamais vraiment quitté en réalité. Et puis, tu parles d'anticipation et je sais que c'est comme ça que lisent ce livre, que la plupart des gens lisent ce livre. Mais moi, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit de l'anticipation. Autant j'ai pris un parti très net d'anticipation pour La désobéissante qui se passait en 2050, où le décor était très futuriste, se rapprochait de Blade Runner dans l'esthétique quasiment, où j'avais poussé assez loin le délire technophilique qu'on connaît. Là, pour le coup, c'est pas tant de l'anticipation qu'une façon de dire, tiens, regardez notre château de cartes, enfin, notre système est un colosse au pied d'argile, il est extrêmement fragile et le moindre grain de sable peut faire basculer toute la machinerie parce qu'elle est bâtie sur des fondations qui sont nécrosées, qui sont malsaines et qui ne tiennent pas la route. Et d'ailleurs,
Moi, au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, la crise du Covid n'avait pas commencé. Et ça me fait. Quand on me dit, ah, c'est de l'anticipation, vous pensez vraiment que c'est ce vers quoi on tend? Je dis, ben, est-ce que franchement, vous auriez pensé il y a un an qu'une pandémie mondiale allait toucher chacun d'entre nous, qu'on allait être enfermé chez nous, qu'on allait porter des masques dans la rue, etc. C'est des choses qu'on a l'impression de ne jamais devoir voir advenir et qui pourtant sont juste là. Et donc dans ce livre, c'est pas tant de l'anticipation que l'actualisation de choses qui sont probables, à savoir une pénurie de pétrole, ça peut arriver. Il y a plein d'essais qui portent sur ce thème et qui montrent que notre économie étant basée entièrement ou en très très grande partie sur le pétrole, bah, dès qu'il y a un problème d'approvisionnement, bah, c'est la médecine, l'agriculture, le textile, c'est absolument tous les pans de notre économie qui en pâtissent. Et donc, du coup, j'ai choisi ça, c'est-à-dire le grain de sable dans le mécanisme dans ce livre-là, c'est une pénurie de pétrole qui crée une réaction en chaîne qui impacte toute la société. Et puis, c'est aussi les effets du réchauffement climatique, mais là non plus, je ne suis pas allée chercher très loin, parce que moi maintenant, j'habite en banlieue et du coup, je traverse la Seine à vélo très régulièrement. Et là, bon, alors maintenant, il fait 30 degrés et puis le lendemain, moins 5 et puis personne s'en étonne. Mais bon, en ce moment, il fait froid là, il paraît, mais il faisait très très chaud hier et c'est n'importe quoi. Mais il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, la Seine était sortie de son lit, mais vraiment pendant très très longtemps. Et ça va être de plus en plus et ça va être de plus en plus fort aussi. Donc en fait, tout ce que je décris dans ce livre, c'est déjà là. Et c'est juste une façon de montrer tout ce qui existe déjà et qu'on décide de ne pas vraiment voir. Mais donc dans ce livre, on le voit davantage parce que ça passe par les yeux des personnages, mais ce n'est pas vraiment de l'anticipation. J'ai l'impression que ma réponse était hyper longue, j'arrête de parler. Pardon. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça ne fait pas l'effet d'un roman fantastique et irréel, quoi. On est vraiment dans la réalité, dans le quotidien de ces personnages, justement, Oui, qui, quand même. eux, continuent de vivre d'une manière normale. Enfin, pendant que le monde continue sa course folle, eux, ils continuent leur vie. Mais ils sont tous, plus ou moins, à un moment de leur vie où ils seront au bout de course, quoi. Ils Oui. sont vraiment dans le désenchantement, dans le désœuvrement et presque dans le renoncement. C'est-à-dire que Alice, par exemple, est mariée et elle s'emmerde dans son mariage, donc elle est au bout de ce modèle-là. Aurélien, qui se fait surnommer Trélox aussi, qui est un ancien amateur de free party et familier des ZAD et familier de tous ces idéaux-là, ben on sent qu'il en est un peu revenu aussi. Et Iris, ça fait partie de. C'est quelqu'un qui veut en finir et qui veut quitter la vie parce qu'on ne la voit plus, quoi. Et quelque part, c'est donner de l'épaisseur à cette façon qu'on a tous de continuer nos vies sans voir les catastrophes qui se jouent en fond. Et en fait, ils en sont là, ils sont tous bloqués dans leur vie au départ, quoi, du livre. Mais là, pour le coup, j'ai projeté des angoisses très personnelles parce que moi, j'ai beau être consciente de l'état du monde et du péril qui nous menace. Je continue ma vie, évidemment, parce qu'on n'a guère d'autre choix. Alors, ça ne m'empêche pas d'être engagée, ça ne m'empêche pas d'avoir des convictions et des idéaux. J'essaye de faire des choses à mon échelle, de consommer bien, de consommer peu, de consommer local, enfin, d'être végétarienne, tout un tas de petits trucs qui sont censés amener une petite pierre à l'édifice. Mais dans les faits, je suis quand même dans le système jusqu'au cou, parce que la vérité, c'est qu'on l'est tous, parce que c'est quasiment impossible de s'en extraire, parce que c'est une hydre à 1 million de têtes et que tu peux vouloir être le plus vertueux possible. Il y a toujours des choses qui sont dissonantes et il y a toujours des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et pourtant avec lesquelles on compose. Donc vraiment, ces personnages qui se sentent empêtrés, qui se sentent dans un cul-de-sac, c'est un peu une projection de ma propre angoisse, à savoir que je ne suis pas d'accord avec le monde tel qu'il va, et que pour autant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, je ne sais pas quoi faire. Alors j'écris des livres, j'écris des fictions que j'espère, enfin dont j'espère qu'elles donnent à voir d'autres horizons, machin. Mais bon, je suis consciente que j'ai un impact absolument dérisoire. Et puis voilà, contrairement à d'autres. Qui font des. Enfin, tu vois, je pense à Sea Shepherd, par exemple, ou des gens qui vont dans les océans pour empêcher les chalutiers de défoncer la faune marine, ce qui est en train d'avoir des impacts, encore une fois, gravissimes, parce que tout est lié dans ce bas monde et que c'est l'effet papillon. Dès qu'on fait de la merde, et ben ça a une réaction en chaîne
qui est désastreuse. Bon, moi, j'ai pas l'impression d'être une militante comme ces gens-là, par exemple, qui sont sur le terrain, parce que c'est difficile d'être une militante. Enfin, voilà, quand on a un enfant, quand on est empêtré dans sa vie, quand on habite Paris, enfin, pour plein de raisons, c'est très difficile de passer à l'action. Et donc, et pour autant, ça veut pas dire que je suis d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord, mais qui ne savent pas vers quel ailleurs se tourner, etc. Et c'est pourquoi moi, j'ai une grande foi dans l'art. Et dans sa faculté à justement donner à voir d'autres possibles, à donner à voir le monde tel qu'il est et à ouvrir des champs de réflexion qui peut-être sont plus, comment dirais-je, j'ai l'impression que ça a un impact plus grand que les sciences sociales ou des discours politiques parce que ça touche l'âme davantage, quoi. Et donc c'est pourquoi moi, en tant que consommatrice, le terme n'est pas très joli, mais consommatrice, enfin lectrice, consommatrice de cinéma, j'y trouve un grand salut et je pense que le monde de l'art a un rôle immense à jouer en ce moment pour montrer d'autres voies. Mais donc voilà, pour en revenir à mes personnages, oui, ils sont empêtrés, ils ne sont pas d'accord, ils se débattent à leur échelle et ils ont quand même une aspiration à une certaine forme de joie, de bonheur, de quiétude qui, elle, ne les quitte pas vraiment et qui font, enfin, qui favorise le fait de se projeter vers l'autre, qui favorise le fait qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont se faire du bien. Et c'est un roman que j'ai voulu profondément humaniste, c'est-à-dire que j'ai beau pas être d'accord avec rien, enfin, ne pas être d'accord avec tout. je crois énormément au bien que les humains peuvent se faire et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière, parce que je pense que tant que les gens sont capables de sortir d'eux-mêmes pour aller vers l'autre, d'essayer de faire du bien aux gens qui les entourent, la société n'est pas perdue. Et le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés qui favorisent énormément le repli sur soi, qui favorisent énormément un surinvestissement de choses qui n'ont aucun impact social, sociétal, à savoir la consommation, enfin des choses de plaisir immédiat qui font plus de mal que de bien. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Mais je crois à l'amour universel, quoi. Je veux croire à ça. Et justement, c'est le sujet de ton livre, c'est aussi une société qui sépare. Et c'est des gens qui veulent se retrouver, qui veulent recréer des liens, chacun à leur façon. Mmh. Ça peut être la façon très, très sexuelle et désespérée, quelque part, d'Alice, enfin, sans lendemain, qui va chercher des relations adultères sur Internet. Ça peut être Iris qui en voulant trouver un complice pour l'aider à mourir, va trouver une amitié et presque un dernier amour, quoi. Mm-hmm. Et quelque part, moi, ce qui m'a touché le plus dans ton roman, c'est cette faculté d'incarner tes personnages et d'épouser leur destin, d'épouser leur regard, justement. Ton engagement en tant qu'écrivain, c'est vraiment celui-là, je pense. C'est de, par exemple, Iris, je me souviens d'un documentaire extraordinaire. Une jeune fille de 90 ans. Voilà, c'est ça. Non, mais il m'a énormément inspirée. Je lui dois beaucoup. J'ai pensé à elle tout du long, en fait, en lisant Iris. Ouais. Parce que, quelque part, l'amour en nous est intact. Ouais. Je voudrais vraiment rendre hommage à celle qui est à l'origine de ce documentaire. Donc, c'est Valeria Bruni-Tedeschi. C'est un documentaire qui est paru, enfin, qui est sorti il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans, je sais plus. Je l'avais regardé vraiment dans cette optique de documentation. J'ai fait beaucoup de recherches pour incarner le plus justement possible mes personnages. Et donc, j'ai fait des recherches sur les free parties pour Aurélien. Enfin, Aurélien, Trélox s'appelle aussi Aurélien, il a deux noms. J'ai fait des recherches sur le métier de radiologue, sur Glidden. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, etc. pour Alice. Et puis, pour Iris, je pense que c'était probablement le plus gros champ de recherche, parce que je me suis beaucoup, beaucoup penchée sur le thème de la vieillesse, auquel j'ai toujours été sensible, parce que moi, j'ai vu ma grand-mère partir progressivement et très douloureusement, enfin, en tout cas pour ses proches, avec Alzheimer. Et j'ai bien connu l'EHPAD et tout ça, et je n'étais pas du tout d'accord avec la façon dont on traitait nos vieux. Peut-être j'y reviendrai. Et donc, du coup, j'avais lu La vieillesse de Simone de Beauvoir, qui est un essai assez...
brillant, passionnant, enfin bon, comme tout ce qu'elle écrit, hein, mais sur le grand âge, qui est un essai très transversal, enfin, qui lie plein de disciplines, l'anthropologie, la sociologie, la biologie. Elle explique le principe d'involution, dont j'ai découvert qu'en fait, un être humain, il évolue jusqu'à 25 ans, et à partir de 25 ans, il est dans l'involution, c'est-à-dire que 25 ans, on est déjà sur la pente décroissante. Donc, alors, c'est pas très riant, hein, comme essai, on apprend plein de choses, et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on voit que on peut vivre sa vieillesse de mille façons différentes, et tant qu'il y a le désir justement d'aller vers l'autre et de se cultiver, etc., ben on vieillit pas vraiment. Le problème, c'est que la vieillesse souvent isole et fait qu'on se sédimente et que finalement on va plus vers les autres, mais et plus vers l'art, et que il y a que son petit, enfin, l'univers devient très étriqué, quoi. Mais donc c'est dans ce cadre-là que j'ai regardé ce documentaire. Et donc, dans ce documentaire, Valéria Brunetelsky filme une maison de retraite, enfin les pensionnaires d'une maison de retraite qui reçoivent un danseur qui vient pour les faire danser. Et alors, évidemment, la plupart ont une mobilité extrêmement réduite, et pour autant, on voit qu'ils s'éveillent au contact de ce type. Et il se trouve que l'une des pensionnaires, et ce n'était pas prévu au début du tournage, va tomber amoureuse de ce type. Et le mec doit avoir 40 ans, la pensionnaire en question a 91 ans, je crois, 90 ans, et elle est atteinte de démence sénile. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est une vieille femme, et elle va lui déclarer son amour. Et ça m'avait bouleversée. J'avais trouvé ce personnage, qui n'en est pas un, parce que c'est une personne, mais cette personne lumineuse, sublime, et qui disait toute la force du sentiment amoureux, et plus largement de l'amour au sens large, de cette chose qui fait sortir de soi-même pour aller vers l'autre, et qui n'a pas d'âge. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. C'est un très beau film que je recommande. Et donc, en effet, il m'a énormément inspiré, et Iris est directement inspiré de ce personnage-là. Ouais. Oui, parce que en fait, c'est la beauté qui dure, quoi. C'est la grâce, en fait. Et vraiment, c'est des solitudes qui tentent de se briser, même celle d'Alice, celle d'Aurélien, de Trélox. En plus, il hésite entre ces deux noms. Mmh. En fait, c'est d'aller vers l'autre qui va les révéler à eux-mêmes, et qui va vraiment briser la fatalité dans laquelle ils sont pris, dans le piège de la modernité qui nous isole tous les uns des autres, qui nous rend aveugles aux catastrophes en train de se jouer. Et finalement, la rédemption, c'est toujours la rencontre avec l'autre. C'est vraiment un livre sur des rencontres qui sauvent quelque part. Oui, moi, je crois que je voulais vraiment mener une réflexion. C'est beaucoup dire, parce que ça reste de la fiction, et j'ai créé des histoires, mais je pense qu'en filigrane, je voulais exprimer quelque chose que je ressens intimement, à savoir qu'on ne change pas le monde dans son coin. Et que nécessairement mener un vrai projet de société, essayer de faire advenir de nouveaux modèles, de nouveaux schémas de pensée, de nouveaux schémas économiques, etc., c'est quand même un travail collectif. Et de toute façon, l'humanité s'est toujours nourrie du collectif, c'est-à-dire que on est des êtres extrêmement fragiles. On est beaucoup moins fort qu'un lion, qu'un éléphant, qu'un gorille, enfin, ou que la plupart des êtres qui peuplent cette planète. On n'a pas des grandes dents, on n'a pas des grandes griffes, on n'est pas hyper puissant, on court pas très vite, on saute pas très haut, on voit pas bien la nuit. Enfin, on est des êtres assez faillibles, enfin assez faibles en fait, physiquement. Et ce qui a fait que l'humanité est devenue ce putain de cancer qui a colonisé la planète. Wouhou, bravo. Non, mais c'est dommage, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Mais le fait que l'humanité soit à ce point imposée sur la planète, c'est que on s'est entraidé. Et c'est que très très tôt, à l'époque des hommes préhistoriques, etc., on était capable de comment dirais-je, de faire communauté, en fait. De faire communauté, de suppléer aux failles de l'autre. Donc, quand lui a une qualité, eh bien, il va la mettre à l'œuvre pour la communauté, quand lui l'a moins, etc. Et donc, il y avait une espèce de synergie comme ça, des compétences, qui a fait que ces communautés ont pu croître et devenir
pérenne. Voilà. Alors même qu'on était extrêmement fragile. Et le problème, c'est que ça, c'est en train d'être sacrifié sur l'autel de. Enfin voilà quoi. Il y a plus vraiment de collectif. Maintenant, il y a de l'argent, il y a des consommateurs. Il faut travailler, consommer, se reproduire. Et puis bon, finalement quoi. Et je suis pas en train de porter au nu la préhistoire. Hein. Je pense que c'était pas rigolo du tout. Mais je dis juste que l'humain tout seul, il vaut rien. L'humain, il a une puissance ontologique dans le collectif et dans sa faculté d'être au monde avec les autres. Et donc, dans ce livre, ils sont que trois, ils vont pas faire la révolution. Hein. Je ne voudrais pas que les gens s'attendent à un truc dingue où ils vont renverser le pouvoir et tout ça, mais juste le simple fait de se rencontrer va leur donner un peu d'élan et va leur redonner de l'envie, quoi, tout simplement. Va leur redonner de la vie, en fait, et de l'engagement, quelque part, puisque... Oui. Ils vont devenir bons les uns pour les autres alors qu'ils s'ignoraient avant et ils ne se jetaient pas de regard quelque part. Et c'est ces espèces de... Finalement, quand le chaos du monde est à son paroxysme, qu'on voit des rats dans les rues, des inondations, des pillages, des choses comme ça, on assiste aussi à la fin des égoïsmes progressifs. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce qui joue dans ton roman. C'est ces intimités qui cessent d'être stéréotypées pour se découvrir profondément quelque part. Et ça, c'était important dans l'intimité de chacun des personnages que tu explores, en fait. Oui, moi, j'ai vraiment voulu qu'ils se révèlent parce que aussi, je pense que moi, je crois beaucoup, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup être seule et tout ça, mais je sais que ça ne suffit pas et qu'on a besoin de se nourrir les uns des autres. Et donc, ce que j'aimais, c'était aussi explorer le point de vue que chacun portait sur sa propre personne et le confronter au point de vue que les autres avaient de cette personne. Je trouvais ça assez rigolo à faire parce que donc moi, je les incarne tous à la première personne, ils parlent tous en flux de conscience à la première personne, et donc c'est une espèce de valse où les chapitres s'enchevêtrent et les personnages parlent à tour de rôle. Et donc j'aimais bien que certains pensent donner à voir telle image et que dans le chapitre suivant on se rende compte que c'était pas exactement cette image que l'autre avait, etc. Et donc j'aimais bien confronter les points de vue et in fine ce que j'espérais voir triompher encore une fois c'était l'idée de la rencontre qui fait qu'on est au monde plus profondément, de manière plus palpitante et avec plus d'allant, quoi. Et avec voilà. Plus de joie aussi, finalement, parce que, enfin, au début, on commence dans un endroit très sombre, avec des gens très isolés et très désemparés. On commence dans une impasse, et puis finalement, ça monte, ça monte, ça monte à travers ces rencontres, justement, et c'est finalement quelque chose, c'est un mouvement assez... paradoxalement gay, puisque le monde autour d'eux s'effondre, mais eux individuellement se révèlent. Et donc, quelque part, cet activisme-là, enfin, ce qu'ils sont les uns pour les autres, leur solidarité, ça leur permet de sortir des mirages que la société a imposés sur eux, quoi. Et même à un moment, il y a une scène dans le livre que j'ai trouvée touchante, enfin, il y en a beaucoup. Mais notamment, c'est quand deux mecs qui sont dans l'ubérisation totale vont se prêter main forte l'un à l'autre. Et c'est vraiment des gens qu'on ne voit plus. C'est des gens, ils viennent te livrer ton repas, tu refermes la porte et ils n'existent plus, quoi. Et ça leur redonne une forme de dignité, juste d'être ensemble, justement. Juste, il y en a un qui fait un malaise, l'autre va le remplacer, lui amener un coca. Enfin, des petits gestes comme ça qui, d'un seul coup, prennent une portée bouleversante et nous font réaliser à quel point le monde nous a séparés, quoi. Mais sur les livreurs, Deliveroo et consorts, ça fait partie de ces références que désormais tout le monde connaît et que je souhaitais intégrer dans les livres parce que j'ai vraiment une ambition de réalisme quand j'écris. Et donc... je veux vraiment donner au lecteur à voir son propre monde, c'est-à-dire que même si, comme on le disait en début de conversation, il y a quelques événements qui peuvent paraître en tout cas un peu extrêmes, comme des symptômes de dérèglement climatique ou des pénuries de pétrole, il y a quand même beaucoup, beaucoup de références extrêmement familières. Et parmi celles-ci, effectivement, ces livreurs auxquels...
plein de gens font appel, et puis même moi, ça m'est arrivé. Et en fait, j'ai un peu creusé sur le sujet de ces livreurs, parce que j'avais vu qu'ils avaient fait grève, enfin, qu'ils avaient fait grève, qu'ils étaient tous montés au créneau, Place de la République, les livreurs des Deliveroo, pour demander des conditions de travail plus respectables, parce que donc les livreurs, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de couverture de mutuelle, à qui on ne paye pas leur matériel, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leur propre vélo, leur propre téléphone portable pour prendre les commandes. S'ils crèvent, bah, c'est eux qui doivent remplacer le truc. S'ils ont un accident, bah, c'est pour leur gueule, parce qu'il n'y a pas de, y a pas de couverture, y a aucune couverture sociale, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, et donc ils sont absolument pas protégés par l'employeur. Et en fait, ça a donné lieu, cette précarisation assez extrême du travail, ça a fait en sorte que beaucoup de gens qui travaillent pour ces plateformes sont des migrants sans papier, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et là où le truc est vraiment particulièrement pervers, c'est que ils ne sont pas censés pouvoir travailler, puisque pour travailler pour ces plateformes-là, il faut avoir des papiers, il faut avoir un compte URSSAF. Et donc, pour avoir ce compte URSSAF, eh bien, il y a des petits malins qui les vendent à ces mecs-là, qui leur disent ben, « Vous avez le droit d'utiliser mon numéro de SIRET, mon compte URSSAF, mais du coup, je ponctionne 50% de vos revenus. » Donc, c'est-à-dire que les mecs pédalent comme des chiens toute la journée pour la moitié que ce que déjà consent à leur donner les plateformes, ce qui n'est déjà pas dingue, hein, c'est de l'ordre de 5 euros la course, un truc comme ça. Donc, ils touchent vraiment à la fin de la journée que dalle, parce qu'ils reversent la moitié de leurs gains à des espèces de macros sans scrupules. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut décider de ne pas voir. Mais ce que dit Aurélien et Trélox, c'est que ça va mal finir. C'est que ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'à force de fermer les yeux, tout ça, ça finit par péter d'une façon ou d'une autre. Après, moi, je veux souvent le préciser, j'écris jamais pour paralyser mon lecteur et pour dire « c'est la fin des haricots, ça va vous péter à la gueule, ça va être très, très violent ». Pas du tout, parce que moi, je suis une indécrottable, sinon optimiste, en tout cas humaniste, et je veux croire que l'humanité est capable de sursaut et est capable de, dans l'adversité, se révéler des choses très nobles. Mais il me semble important de regarder en face cette réalité très... j'ai que des euphémismes qui me viennent en tête, mais enfin, très discutable, quoi, d'un point de vue éthique. On est quand même sur une pente incroyablement glissante. Et donc, c'était important pour moi d'incarner un personnage qui était au contact direct avec cette réalité-là, qui est mais vraiment absolument réaliste, parce que là encore, c'est le fruit d'un travail de documentation très, très ailé, où je ne voulais pas dire n'importe quoi, ni sur les tarifs pratiqués, ni sur leurs conditions de travail, ni sur cette histoire d'exploitation des migrants. Donc, voilà, ça fait partie des choses hyper contemporaines que j'ai intégrées au livre, mais dans le but de scanner un peu la société et de dire, bon, on n'est pas obligé de dire amen à tout. Ça peut être bien aussi d'exercer son libre arbitre. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on va vers le mieux. Donc, c'est pourquoi je disais, moi, je ne cherche pas du tout à paralyser mon lecteur, à dire, ou encore moins à être moralisatrice, à dire, c'est pas bien. De toute façon, on a tous, moi, j'ai fait livrer des Deliveroo aussi, on a tous nos failles et nos casseroles et tout. Mais ce qui est important, c'est de se dire, bon, à partir du moment où on devient plus exigeant avec le monde qui nous entoure, forcément, on a un impact. Et si tout le monde se met à être plus exigeant, bah, l'impact devient assez massif, quoi. Oui, puis c'est vraiment, n'oublie pas l'autre, et n'oublie pas que tu as un corps, et n'oublie pas la sensualité de ton corps, quelque part. Il y a un motif qui revient beaucoup dans les livres que j'aime, notamment dans celui de Marie Charelle. Bonjour Marie, je vois que tu es là. Et donc, c'est la danse. Ouais. Et c'est la danse qui va libérer les corps, qui va libérer les désirs et qui va libérer les gens, en fait. C'est la danse qui va faire advenir l'impossible, c'est-à-dire la rencontre complètement improbable qui va se concrétiser dans les corps. Et finalement, on s'aperçoit que notre réalité et notre société est une négation du corps qui ouais. Danse, du corps qui jouit, du corps qui vieillit. Ouais. Alors, c'est vrai que le corps, c'était un sujet, même si... le terme me paraît inapproprié, mais c'était un sujet assez fondamental pour ce livre, en effet. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle « Le cœur et le chaos », parce que bon, j'ai joué sur la variété sémantique que revêt le terme « cœur », donc le terme « cœur » au sens du sentiment, au sens d'une certaine forme de bonté.
Et puis le cœur, l'organe, quoi, ce truc qui palpite et qui nous fait avancer, vivre et qui projette du sang dans nos veines, enfin qui le propulse. Et donc j'ai le corps est effectivement extrêmement traité, sachant que mes personnages ont des âges qui sont assez variés. Trelox, donc il est livreur, son corps, il a même pas 30 ans, il est assez jeune, mais son corps est déjà pas mal abîmé par la drogue, par les excès qu'il a pu faire, et son corps exulte sur son vélo. Et ça, moi, j'ai projeté aussi un truc de moi, c'est que j'adore le vélo, c'est mon moyen de transport et c'est mon petit carburant. Et donc, lui, il trouve beaucoup de plaisir là-dedans, dans le fait de se dépenser. C'est un peu son unique source de plaisir, étant donné qu'au début du livre, il va pas fort. Dans le cas d'Iris, elle est très empêchée, elle vit son corps un peu comme un traître qui ne lui obéit plus. Et donc, du coup, la vieillesse, c'est quand même ça, c'est être progressivement dépossédé de ses facultés physiques. Et puis, Alice, c'est une femme effectivement qui recherche la liberté, je pense, une certaine idée de la liberté dans la jouissance physique, sexuelle. Et donc elle essaye de reconquérir sa liberté de femme par ce qu'elle fait de son corps. Donc, en effet, le corps est assez omniprésent. Alors de façon très différente selon les personnages, mais c'était important aussi parce que moi j'aime bien envisager l'humain pour ce qu'il est, à savoir une toute petite chose totalement insignifiante à l'échelle de la planète et encore plus de l'univers, et un animal, un truc, une machine physique avec des pulsions, une activité hormonale qui nous agit un peu et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu oblitéré tout ça. Aujourd'hui, on est des bons petits soldats, des bonnes petites machines. On travaille, on consomme, on fait. Moi, je trouve ça fou, quoi. Les gens qui vont dans des salles, je juge pas, hein, mais les gens qui vont dans des. Je trouve ça tellement triste, quoi, de courir sur des tapis roulants et tout ça devant BFM TV et tout. Je trouve ça dingo. Et donc, c'est vrai qu'on a un rapport au corps aujourd'hui qui est quand même hyper bizarre. Et ça, je l'avais traité aussi dans La vie dans les bois, parce que le corps est soumis à très rude épreuve en ville. Il est tout le temps agressé, ça sent pas bon, ça fait trop de bruit, on touche de moins en moins, on touche que notre portable, on a de moins en moins l'occasion de faire des choses avec nos mains. On est extrêmement sédentaire, ce qui a des conséquences sanitaires très graves, parce que beaucoup de gens ne se déplacent pas assez, alors que l'humain a été fait pour gambader. Et donc, toutes ces questions, elles me sont assez chères, et donc je pense que je les ai quelque part un peu transposé effectivement dans la vie et dans les trajectoires de mes personnages. Ouais. Et dans leur incarnation, quelque part, parce qu'on sent, on sent le désir d'Alice, les douleurs d'Iris, enfin, et la force de vie d'Aurélien, enfin de Trelox, quoi, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a traversé, parce que c'est vraiment une vie qui a bossé. C'est vraiment trois représentants différents de la société, en plus, c'est vraiment transversal. Ils sont tous les deux à un âge de la vie très différent. Au début, au milieu et à la fin, pour schématiser. Et du coup, ça permet, en explorant leurs intimités, d'explorer tout un pan de la société qui est assez large, finalement. Mais ça, c'était très jouissif pour moi de les incarner à la première personne, parce que c'est vrai que en faisant ça et en faisant le choix de les incarner dans leur instantanéité, c'est-à-dire qu'on est souvent dans leur tête au moment où ils vivent les choses. Parfois, ils racontent des trucs qui ont eu lieu par le passé, mais très souvent, on est avec eux au moment où ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça crée, enfin, en tout cas, c'était mon ambition, une certaine proximité avec leur état d'esprit et avec leurs sensations. Et donc, c'est vrai que parfois, j'étais très précise dans l'impact émotionnel et physique que pouvait avoir une situation sur eux, et notamment sur l'impact, oui, physique et corporel. Donc, ça transpire, ça fait de la tachycardie, ça a du mal à reprendre son souffle, toutes ces choses qu'on vit quotidiennement, parfois sans y prêter attention. Moi, en tant qu'auteur, comme j'avais le loisir, c'est moi qui choisissais ce que je décidais ou pas de révéler. Enfin non, d'ailleurs, je choisissais de tout révéler, en fait, de ce qu'il ressentait au moment où il vivait les situations. Et donc, je crois qu'en effet, c'est un levier et une espèce de, comment dirais-je, de stratégie, entre guillemets, littéraire, qui permet de vraiment être au plus près des personnages et
d'être dans leur tête et dans leur corps, quoi. Oui, ça, c'était ça. Assez chouette parce que du coup, j'étais chacun d'eux alternativement et ça me plaisait vachement. Et oui, parce que c'est vraiment la structure du livre, c'est d'alterner leur voix en plus et d'alterner leurs sensations. Et c'est quelque part le privilège de l'écrivain d'embrasser. Mais là, on embrasse vraiment trois vies presque en entier en parlant de leur présence. C'est là qu'est le paradoxe. Mmh. Et j'ai trouvé ça génial et bouleversant, quoi. Ouais. Parce que en fait, ils essayent au fur et à mesure qu'ils s'éveillent, et c'est un truc qui est commun à beaucoup de tes romans et à beaucoup de ton écriture, c'est il faut attraper le bonheur pendant qu'il est là parce qu'on n'est pas certain qu'il repassera, quoi. Et d'un seul coup, c'est cette conscience-là qui s'éveille pour chacun d'entre eux, même s'ils sont un peu fous, même s'ils sont un peu, si c'est un peu hasardeux, parce que ça ne va pas durer, quoi. Mais je crois qu'en vieillissant, j'ai vraiment appris à prendre très au sérieux, en fait, à prendre très au sérieux le fait d'être en vie. Et pas, je veux vraiment faire une petite nuance, je ne prends pas la vie au sérieux. C'est-à-dire que je suis consciente qu'il y a plein de trucs qui me prennent la tête, qui n'ont aucune espèce d'importance et que c'est vraiment des espèces de trucs d'ego un peu merdiques où on se fixe des ambitions et tout ça. Il y a plein de trucs que je trouve un peu merdiques dans l'existence ou en tout cas, je considère que ça nous prend trop d'énergie et auquel on accorde trop d'importance. En revanche, je pense qu'on n'accorde jamais trop d'importance au miracle que c'est que d'être en vie. Et en disant ça, j'espère ne pas paraître mystico-niaise. Parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction profonde. C'est miraculeux. Ça n'aurait pas dû être. On a énormément de chance d'être là. En plus, on a énormément de chance. Je pense que c'est pas vrai sous toutes les latitudes. Et je pense qu'il y a des gens qui vivent des existences vraiment atroces. Et parfois, c'est difficile, honnêtement, de vivre avec ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que, pour de vrai, les choses changent à l'échelle du globe. Parce que parfois, c'est un peu difficile de se dire. Qu'ailleurs, il se passe tel et tel truc. Enfin, c'est... J'ai l'impression d'être dans les inconnus. Où... il y a un sketch où je dis, non, mais parfois, les guerres et tout, ça m'empêche de dormir pendant 2 minutes le soir. Et donc, je veux pas avoir l'air de dire, c'est très dur, la souffrance dans le monde. Mais si, quelque part, ça fait quand même extrêmement chier. Et pour autant, c'est pas parce que ça fait extrêmement chier qu'il faut bouder notre plaisir d'être en vie dans de bonnes conditions. Et même si il y a plein de choses qui sont inacceptables et qu'il ne faut pas accepter, pour essayer d'aller dans le bon sens, moi, par exemple, là, c'est le printemps, je trouve ça incroyable, les bourgeons, le fait que ça revienne chaque année inexorablement, les oiseaux qui pépillent, le ciel, l'air, la douceur du vent et tout ça, mais c'est sublime, on a énormément de chance de vivre des trucs comme ça. Et donc, quelque part, oui, eux, malgré toutes leurs souffrances et leurs doutes et leur détresse affective ou existentielle, ils sont capables par moment d'attraper ce plaisir d'être au monde et plus que ce plaisir, cette joie d'être au monde. Et ça passe à un moment beaucoup par la danse parce que moi j'adore danser, ça me manque vachement parce que ça fait évidemment, enfin je danse toute seule dans mon salon avec ma fille souvent, mais c'est pas pareil que de danser avec plein de gens. Et ça, la danse, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai des moments d'extase, quoi, que le fait de faire le foufou, de s'agiter, tu vois, que ce soit juste une espèce de truc d'enfant, quoi, de juste secouer les mains et d'être comme ça envahi par la musique, bah, c'est super beau, c'est précieux, tu vois. Et du coup, j'essayais de mettre ça en scène, de mettre en scène le respect d'être en vie. Et que eux, même s'ils sont cyniques, pas contents, machin, par moments, ils se disent, putain, quand même, c'est quand même chouette, quoi, de sentir le vent sur son visage, de voir la lumière qui change et qui est belle, d'entendre cette musique qui, d'un coup, te pénètre par tous les pores de la peau. Ben, c'est joli, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là dans le fait qu'ils sortent un peu de leur névrose et de leurs réflexes et tout ça, et ils regagnent leur propre regard, et ils regagnent le monde. Et ça aussi, c'est une constante chez toi, c'est qu'il faut retrouver la vie dans les bois, par exemple, ou des choses toutes connes comme ça qu'on ne sait plus voir, en fait. Et là, dans ce roman-là, c'est vraiment des regards qui se croisent et qui apprennent à se croiser et qui apprennent à se respecter, en fait. Ça se réveille, quoi. C'est des gens qui se réveillent, voilà. Ouais, mais ça pour le coup, je suis pas très originale avec moi-même parce que je fais tout le temps ça. Je sais pas écrire autre chose que des gens qui se réveillent. Donc j'espère qu'un jour
ce sera des gens qui se réveillent et qui font des trucs de ouf, mais pour l'instant, c'est surtout des gens qui se réveillent. Et mais parce que je pense que, ben en fait, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu, quoi. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. Parce que parfois, je discute avec des gens et je me dis, mais pas, ça m'arrive pas tout le temps. La plupart du temps, les gens voient ce que je veux dire et tout ça. Mais parfois, ils me disent, oh là là, c'est très sombre ce que vous écrivez quand même, truc. Et je dis, mais vous avez vu ce qui se passe? Enfin, c'est chaud, c'est déjà là, tout est déjà là. Enfin, j'invente rien. C'est ça qui est fou, c'est que dans mes livres, j'invente jamais rien. Je prends juste ce qui est là, et puis je le mets en scène, et puis j'appuie là où ça fait mal. Mais je n'invente pas des situations dingotes. Et donc parfois, je me dis, mais les gars, ils ont capté que là, ça allait être super chaud, ce qui nous arrive sur le coin de la gueule à cause du réchauffement climatique et tout ça. Et non, je pense qu'il y a un déni et un aveuglement, parce que c'est... Et je me mets pas au-dessus de la mêlée, hein, parce que moi-même, je suis dans le déni souvent. Si je l'étais pas, honnêtement, ben, je serais suicidaire, quoi. Je veux dire, on est tous un peu dans le déni parce que quelque part, ça permet d'avancer quand même. Et puis, ça permet d'être en joie. Mais donc, je prétends pas être un pur esprit qui a compris tous les enjeux et tout ça. Mais juste, en revanche, je suis quand même un peu au courant que c'est super tendu et que, on a chacun un rôle à jouer pour redresser la barre. Fissa, c'est vraiment le caractère d'urgence, en fait, dont j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas bien compte. Et donc, voilà, donc ces personnages-là, ils sont plus ou moins au courant, justement. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Je voulais qu'ils ne soient pas tous autant au parfum. Iris, typiquement, elle n'en a rien à foutre. Elle est vieille, elle s'en carre. Le fait que le monde parte à volo, bah, de toute façon, elle a vécu la guerre. Elle sait qu'il y a des trucs trash qui arrivent. Et puis, elle ne se rend pas compte que là, c'est un truc vraiment global. Parce que la spécificité de ce qui nous arrive en ce moment, c'est vraiment le caractère global. C'est pas une guerre régionale ou même quand c'était la guerre mondiale. Bon, bah, c'est la guerre. Et puis, une fois que c'est plus la guerre, bah, c'est plus la guerre. Là, le problème, c'est que on a touché à notre planète, quoi. On a touché à ce qui nous fait vivre. Donc du coup, c'est beaucoup plus universel comme problème. Et bon, Iris, elle s'en fout. Trélox, il est hyper, hyper investi, ancien zadiste et tout ça, donc lui, il connaît très bien son sujet. Et Alice, elle n'est pas du tout éduquée sur ces questions-là. Et donc, je trouvais ça intéressant aussi de mettre en scène le degré de connaissance et la façon dont, en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on apprend, de ce qu'on décide de voir, de ressentir, on se comporte. Mais il me semble essentiel que chacun de nous s'éveille et dise non à beaucoup de choses, résiste en fait à beaucoup de choses. Et parce qu'on a des leviers d'action énormes, c'est-à-dire que si nous on décide demain d'arrêter de consommer de la merde, et quand même ça va créer de la casse, bien sûr, mais ça va faire s'effondrer des choses incroyablement toxiques, et ça pourrait faire en sorte que les gens qui nous gouvernent vont peut-être comprendre qu'il va falloir investir dans d'autres choses en priorité que des industries qui nous tuent, quoi, les industries fossiles ou l'agrochimie, etc. Donc moi je crois à la responsabilité individuelle et je crois à cet éveil individuel puis collectif, mais ça commence toujours à l'échelle individuelle, je pense. Donc j'écris tout le temps des histoires de gens qui se réveillent, quoi. Ça commence toujours comme ça, mais même on voit notamment pour Alice, cette espèce d'hypnose générale à laquelle on est tous sujets, en fait. C'est-à-dire, on va d'un seul coup se retrouver avec notre téléphone à la main sans s'en rendre compte, à regarder les écrans, à regarder si on n'a pas de notification. Enfin, c'est cette espèce d'addiction-là à l'irréalité, ouais, qui est en train de créer des tragédies et quelque part des indifférences, justement, à ce qui est vraiment important, à force d'être recourbé sur nos nombrils, nos névroses et nos amis virtuels, ben on voit pas ce qui se passe autour, quoi. Et ça, justement, c'est ça qui est très préoccupant dans la façon dont cette crise est gérée et orientée et vécue par les gens. C'est-à-dire que on nous explique qu'aujourd'hui il faut limiter les relations sociales au maximum. Moi, ce que je peux comprendre, hein, là on est face à un truc, on sait pas comment faire, bon, bah, dans l'urgence, ok, on se retranche, on évite de se voir et tout ça, je peux le comprendre. Le problème, c'est que l'histoire a montré par le passé que quand il y a des crises, très souvent elles sont instrumentalisées par des gens qui ont des choses à gagner et qu'ensuite ce qui est mis en place, on ne revient pas jamais vraiment en arrière. C'est-à-dire, quand il y a des restrictions de liberté, tu ne les retrouves pas vraiment. Quand il y a des nouveaux us et coutumes qui s'imposent, c'est très difficile d'en revenir. Et là, tu vois, cette virtualisation des rapports, moi, je sais que les gens vont se retrouver, ça, c'est sûr et certain, dès qu'ils vont rouvrir les lieux, etc., on va se retrouver, c'est sûr. N'empêche qu'on aura eu, on nous aura quand même vachement habitués
à être encore plus sur des écrans et à se voir encore plus par écran interposé. Et ça, malheureusement, je pense que ça va rester. Et je pense que l'addiction aux réseaux sociaux, elle, évidemment, elle a été largement entretenue et gonflée par cette crise. Et effectivement, ça, c'est un cancer aussi, les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, je ne me mets pas au-dessus de la mêlée parce que je suis la première et je l'admets très volontiers. Même si ça me fait un peu chier de l'admettre, mais je suis la première quand je poste un truc à regarder s'il y a eu le petit cœur. Ah oui, il y a un petit cœur assez rouge, ça me fait mon. Tu vois, ils ont tout en plus, enfin, comme je le dis dans le livre, ils ont. Le design de ces trucs-là sont vraiment. Est vraiment très très savamment étudié pour parler au cerveau reptilien qui va avoir un sentiment de récompense quand il y a ce petit truc rouge, pas trop rouge pour pas être trop menaçant, mais pas trop rose non plus pour pas être pas assez impactant. Et donc ce petit truc rouge va vraiment aller chercher des zones marécageuses du cerveau qui va faire ah trop bien, sentiment de gratification. Bon. Et donc ça, bah, évidemment que je suis pas au-dessus parce que je suis un être humain, donc moi ça me fait pareil. Donc moi j'ai envie de voir s'il y a des cœurs quand je poste un truc. Et en fait, ça nous phagocyte effectivement un temps de cerveau humain disponible pour citer l'autre, qui est considérable et qui effectivement nous isole et nous fait trouver important des choses qui ne le sont pas du tout. Alors même qu'il y a des choses qui nécessiteraient de mobiliser beaucoup plus notre attention. Donc toutes ces choses-là, c'est des petits glissements. Qu'on l'air innocent, qu'on l'air mimi, c'est tellement mignon des petits cœurs quand on poste un cerisier en fleurs et tout ça. Mais c'est très pervers quoi. Et c'est ça qui est fou dans notre époque, c'est que on a l'impression qu'on a vécu et c'est le cas à certains égards des époques beaucoup plus violentes, beaucoup plus coercitives. La coercition aujourd'hui, elle est incroyablement sournoise quoi. Elle est subtile. Tu vois. Comment? C'est super insidieux ce que ça fait, justement. Exactement. Et ça va s'infiltrer. Et ce qui est fort aussi, c'est que ça s'infiltre jusqu'à toucher notre intimité. C'est-à-dire que ça s'invite dans notre plumard, quoi. On est tous avec nos téléphones dans le lit à regarder tout ça. Ça vient vraiment chercher des zones qui devraient être intactes ou en tout cas qui devraient être laissées un peu privées, quoi. Et il n'y a plus vraiment ça maintenant. Le capitalisme s'invite dans notre lit, quoi, parce qu'il y a toutes ces annonces sponsorisées. Et puis moi, tu vois, je vois à quel point ils me connaissent bien maintenant, quoi, parce qu'ils savent très bien sur quoi je vais m'appesantir, tu vois. Ils me mettent toujours, par exemple, j'aime bien les gros gilets. Ils savent que je cherche un gros gilet, enfin, plus maintenant parce qu'il fait chaud, mais pendant l'hiver, je cherchais un gros gilet et en même temps, j'aime pas le shopping, ça me fait chier, j'en fais jamais. Et du coup, ils se sont dit, ah tiens, là, la grande, là, on va les dealer un gros gilet. Et ils m'ont dealé pas seulement un gros gilet, ils essayaient de me dealer un gros gilet de laine de mouton qui a été élevé, mais vraiment dans le respect de sa personne, très heureux et tout ça. Et donc, ils me balancent que des trucs qui c'est du greenwashing, bullshit absolu, mais ils me connaissent parfaitement. Et ce genre de trucs, je les vois dans mon lit. Tu vois, c'est quelque chose. Avant, tu regardais la télévision et puis il y avait des pubs et puis ça te baisait la tronche, mais au moins, tu étais dans ton canapé. Là, c'est dans ton lit. Et donc, c'est incroyablement pernicieux. On est tout le temps pénétré par cet impératif de consommation cet asservissement en fait de chaque instant. Donc on vit une époque très perverse qui nécessite d'être tout le temps vigilant. Et voilà. Et mes trois personnages, typiquement, ils sont paumés face à ça. Ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment se dépêtrer. Et ils trouvent leur résistance dans la joie qu'ils arrivent à se procurer les uns aux autres, dans l'alcool un peu, j'avoue, dans la drogue, dans le cas de Trelogs, dans ces moments où tu t'échappes, quoi. Et bon, bah tant pis si c'est grâce aux psychotropes. Oui, non, mais enfin, c'est surtout grâce à l'amour, finalement, dans le roman. Enfin, Oui. je vais avoir l'air d'un mec. Non, t'es un peu niais, mais j'aime bien. Ouais. Mais je trouve que, justement, cette époque est tellement Non, mais t'as complexe complètement raison. qu'elle a détourné ça. Oui, Alors oui. que l'amour demande du courage ou l'abnégation, comme celle qu'on voit auprès d'Iris. Enfin, tout ça demande vraiment un esprit presque de provocation. Oser aider quelqu'un, c'est pas si évident que ça maintenant. Et tellement on a poussé l'individu à bout, Non, l'individualité. mais c'est ça, et c'était vraiment, voilà, exactement, parce que je parlais des psychotropes et tout ça, mais c'est vraiment pas le. Je dis ça parce que j'ai bu du rosé, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet. En fait, le cœur du sujet, effectivement, c'est vraiment l'amour au sens large, pas seulement le sentiment amoureux, et c'est vraiment l'amour comme levier de résistance. C'est-à-dire que moi, ma marotte, enfin mon obsession en tant qu'écrivain, qu'écrivaine, c'est la notion de libre arbitre et de résistance. Et
et j'essaye d'en explorer les leviers. Et là, j'ai vraiment, pour la première fois, parce que mon éditrice m'y a poussé, m'a dit, mais en fait, mais toi, t'as peur de l'émotion. Je l'avais fait lire 50 pages, les 50 premières pages. Et elle m'a dit, mais j'ai l'impression que tu crains un peu l'émotion, t'as pas envie d'aller là-bas, ça te fait chier. Et j'avais dit, bah non, mais enfin oui, moi, ça me... J'ai peur d'être lénifiante, j'ai peur que ce soit niais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais peur, c'était de l'intimité, en fait, de l'intimité que t'es obligée de livrer en pâture quand tu traites ces sujets-là, parce que forcément, tu donnes beaucoup de toi-même quand tu traites. C'est un sujet tellement subjectif, l'amour, que forcément, en tant qu'auteur, tu te mets un peu à nu. Et donc, je pense que c'est pour ça que jusqu'à présent, j'avais vachement évacué ce thème. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à l'explorer justement comme levier de résistance, parce que je suis persuadée que c'en est un et qu'il est archi puissant. Parce que je pense que c'est le moteur le plus puissant. Forcément, quand on aime, quand on aime, on est capable de se dépasser. Quand on aime, on est vraiment capable de très grandes choses. Et donc, je pense que si on est capable de nourrir cet élan vers l'autre, on est vraiment capable de changer la société de manière assez drastique et massive. Ouais. Parce qu'il s'agit de se dire en fait que l'autre existe. Exactement. Exactement. Et c'est tellement réconfortant comme sentiment, ça. Le sentiment que l'autre existe et qu'il n'est pas ni un rival, ni un danger. Ils peuvent l'être, hein. Je ne suis pas en train de dire que le monde est doux et tout ça. Il y a plein de salopards dehors. Mais il y a aussi plein de gens qui méritent d'être aimés, qui n'attendent que ça et qui n'attendent que d'aimer en retour et tout ça. Et moi, je crois à ça. Et puis, je pense qu'on ne se sent jamais aussi bien que quand on se dit qu'on a fait du bien à quelqu'un, quand même, mine de rien. Même si moi, ça ne m'arrive pas souvent. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, quoi. Ça fait du bien. On sait rien, ça ne m'est jamais arrivé, moi. Bon, non, mais ça ne m'étonne pas. On est des ordures, toi et moi, je sais bien. Mais ça a l'air sympa comme truc. Ouais, mais et justement, je voulais te demander, en fait, c'est parce que on sent que tu t'es aventuré là dans des terres que tu n'avais jamais explorées, et de me parler de ta relation avec ton éditrice, notamment, qui est Vanessa Springora. Oui. Et parce que je pense que ça a fait ressortir quelque chose de toi qu'on n'avait jamais vu avant. Oui, oui, je pense que Vanessa, je lui dois beaucoup, parce que en fait, on s'est vu. Il y a eu deux heures fondamentales qui ont eu lieu après qu'elle venait de lire les 50 premières pages que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, elle m'a fait venir dans son bureau. Et on a parlé du texte, enfin pas seulement du texte, 50 pages c'est fort court, mais de mes ambitions pour ce texte et de ce vers quoi je voulais aller. Et c'est vrai que typiquement, cette discussion qu'on a eue sur la question de l'émotion, ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, tiens, voilà une idée qu'elle est très bonne. Et puis aussi, ça m'a rappelé des choses que des écrivains rencontrés lors de salons ou des camarades et ça m'avait dit, à savoir ou David Bowie, dont tu as partagé cet extrait il y a très peu de temps, qui avait dit qu'on n'était jamais aussi bon en tant qu'artiste que quand on sortait de sa zone de confort. Et quand on allait explorer justement des continents qui n'étaient pas si familiers, et pas que je sois que la notion d'amour me soit totalement étrangère, hein, j'étais familière du concept, mais effectivement je l'avais pas du tout exploré en tant qu'auteur. Et donc oui, Vanessa, elle m'a poussée dans de très bonnes directions. Elle a été elle a aidé à orienter ce livre sur les meilleurs chemins, je pense. Et c'était une accompagnatrice à la fois très respectueuse de l'intégrité de l'auteur, de ce qu'il veut faire. Elle est vraiment capable de déceler ce que tu es capable de faire et ce vers quoi il serait bon que tu tendes. Et en même temps, elle n'est pas du tout trop intrusive ou elle est très respectueuse de la subjectivité de l'auteur, de ce qu'il veut faire et tout. Mais ça a été une accompagnatrice extrêmement précieuse, extrêmement pertinente, et c'est quelqu'un de très intelligent, de très sensible et de très présent. Et voilà, c'est un peu la relation rêvée que j'attendais avec une éditrice.
Je suis très contente que ce soit une femme par ailleurs, mais bon, ça aurait été un homme, ça aurait pu être très bien aussi, mais ça me plaît assez d'avoir une éditrice. Et je pense que j'ai passé un cap avec elle. Et il y a aussi un cap que j'ai passé qui est dû aux soins extraordinaires que Julliard porte à ses textes. Parce que Julliard, c'est une maison d'édition qui fait que de la littérature et qui, à ce titre, porte un regard particulièrement exigeant sur la langue et fait un travail d'orfèvre. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais autant retravaillé un texte. Il y a eu un va-et-vient avec Marie Lavallée qui travaille avec Vanessa, à qui je rends hommage. À chaque fois, parce qu'elle aussi, c'était une partenaire fantastique, extrêmement pertinente, elle aussi. Donc, elle, c'était du travail d'orfèvre. Elle est intervenue sur la langue dans le détail, mais jusqu'à la ponctuation. Enfin, et donc, vraiment, je pense que j'ai jamais autant ciselé un texte. Et donc, ça explique peut-être aussi le fait qu'il soit plus. Qu'il est réussi, j'ai l'impression en tout cas là, à toucher davantage au cœur les lecteurs parce qu'il a été vraiment très soigné, quoi. Donc, C'est vraiment de la quoi? dentelle et c'est vraiment en plus on doit différencier les trois voix qui alternent chacune. Enfin, c'est elles qui font avancer, c'est presque un échange en fait entre les trois voix qui font avancer l'histoire. Enfin, c'est beau. Ah bah tant mieux, je suis ravie. Et ça, c'était un exercice très chouette à faire parce qu'effectivement, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même milieu socioculturel, ils n'ont pas la même profession, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même rapport au monde. Et forcément, ils n'ont pas la même façon de parler. Et ça, c'était très amusant pour moi, à chaque fois que je reprenais le texte, de me dire, ah, je suis qui là? Oui, je suis machin. Et donc, j'étais alternativement une vieille dame qui dit crotte et qui dit machin. Et Trélox qui jure comme un charretier et l'autre qui se fait baiser à droite à gauche et qui donc a parfois un langage un peu fleuri aussi. Et ça, c'était chouette parce que ça fait sortir de soi-même, quoi, ce genre de truc, tu vois. J'étais un peu comme une comédienne, un peu. Je pense que je serais une très mauvaise comédienne par ailleurs, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce travail de théâtralité où d'un coup tu te fondes dans la peau de quelqu'un qui n'est pas du tout toi. Et ça, c'était vraiment très, très jubilatoire, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment un plaisir qu'on ressent la lecture, quoi, parce qu'il n'y a pas de temps mort, il y a un rythme qui est soutenu, qui est toujours assez élevé, et parce qu'on les aime, quoi, parce qu'on les ressent chacun en nous. Enfin, moi, au bout d'un moment, je les connaissais, quoi. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quelque part, le monde qui va à volo, le pillage, le réchauffement climatique, c'est comme une BO, une bande originale de Larobee. Derrière eux, mais eux, ils vivent une vie qui est assez lumineuse, paradoxalement, parce qu'ils se révèlent, quoi. C'est un roman de révélation. Ouais, tant mieux. Je voulais surtout pas, comme je disais tout à l'heure, écrire quelque chose qui accable le lecteur. Je veux jamais accabler le lecteur. Moi, je vais essayer de lui donner envie, quoi, de boire des coups, faire l'amour, n'importe. Mais en tout cas, pas envie de se suicider, quoi. C'est sûr, c'est pas mon objectif. Donc voilà. Ben voilà, j'ai eu envie de boire des coups et de faire l'amour et ils ont recontinué, quoi. Donc, c'est... Ouais, c'est pas de chance. Non, alors parfois, le gouvernement ne va pas dans mon sens. Hein. Ça, malheureusement, j'ai pas la main sur tout. Merci quand même. Ouais, j'ai essayé. Ouais. Ben écoute, moi, j'ai posé toutes mes questions, mes observations, mes revendications. Je suis très heureux. Ah, bah, moi aussi, merci beaucoup. Et donc, si quelqu'un veut parler, ben, c'est maintenant. Qu'il se taise à jamais. Je ne sais jamais. Donc ouvrez votre micro et Je peux parler? parlez. Oui, en fait, c'était intéressant d'entendre parler de la façon d'écrire les trois personnages, parce que moi, je me faisais la réflexion à la lecture que, en fait, j'avais trouvé de l'écho dans chacun. Donc, finalement, c'est la transmission je peux tutoyer, Jennifer? Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est la transmission finalement de ce que tu as mis dans ton écriture qui se ressent ensuite chez le lecteur, donc c'est intéressant. Et moi je trouve en fait que en fait ce qui m'a impressionné c'est leurs actions de résistance qui sont des petites actions chacun dans son domaine, mais en fait ce sont des résistants.
il le paye par la solitude, de toute façon, parce que c'est la première chose par laquelle on doit passer quand on résiste, avant de éventuellement retrouver le collectif. Mais Alice, qui refuse de s'engager dans un crédit de 100 mètres pour 20 ou 30 ans de crédit, c'est une formidable résistance à cette société de consommation qui impose de se prendre un crédit sur 50 ans pour acheter une maison. Pourquoi faire? Pourquoi être propriétaire? On est de passage sur cette terre. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de complètement ridicule d'obliger les gens à acheter, à être propriétaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Aurélien, il n'a pas de portable. Enfin, il refuse aussi d'être soumis à cette injonction permanente des réseaux sociaux et compagnie. Donc ça aussi, c'est une forme de résistance. Et Iris, elle n'a pas envie qu'on lui dise « tu vas attendre gentiment que la mort vienne te prendre ». Elle veut en finir, c'est une forme de résistance aussi. Donc en fait, on la sent, cette résistance, et on a juste envie de les applaudir. Bah, tant mieux. Merci, mais c'est une lecture très, très juste. En effet, moi, je les ai envisagés comme des résistants, en effet. Quelqu'un d'autre? Ouais, moi, je veux bien, Jennifer. J'ai fait un premier retour, mais moi, j'ai vécu ça comme une nymphose. On a parlé à Nicolas. Avec Nicolas, j'avais l'impression de voir un papillon s'envoler. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de choses de la vie dans les bois et de ses interrogations et de tous les sujets qui tiennent à cœur. Et en même temps, c'est comme si, en étant vraiment dans de la fiction pure et dure, t'avais lâché les chevaux, quoi. Voilà, moi, je me suis pris ce livre comme une formidable histoire d'amour et en même temps une bonne baffe, quoi. Bah, tant mieux. J'aime bien frapper mes lecteurs. Merci. Ouais, toujours devant. tant mieux. I'll be back. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, je crois que tout le monde a aimé. Bah, tant mieux. Je suis ravie. Je suis vraiment très heureuse et j'ai des retours qui me font chaud au cœur parce que je crois qu'il y a vraiment, je te le disais quand j'ai lu ta chronique, il y a rien de plus doux pour un auteur que de se sentir compris. Et c'est pas toujours, toujours, toujours le cas. Et quand on a l'impression d'avoir réussi à comment dirais-je, à délivrer le message qu'on souhaitait délivrer, si on peut parler de message, c'est toujours réducteur, mais enfin, en tout cas, de toucher là où on voulait toucher, ben c'est inestimable, quoi. Ça fait du bien. On se dit que tout ça n'est pas si vain. Donc, j'étais très contente de ton retour et du retour d'un certain nombre de nos camarades ici présents. Bon, ben, je crois qu'on va, sauf si quelqu'un veut parler, quelqu'un veut reparler. Ce soir, c'est la fête. Charlotte, ouvre ton micro, Charlotte. Marche pas mon micro? Si, on t'entend. J'ai pas encore lu Le cœur et le chaos, mais j'ai lu tous les autres livres de Jennifer. Et j'ai deux questions. Mais qu'est-ce que tu écris maintenant? Parce que... Ah non, on t'a plus, Charlotte, on t'entend plus. On m'a plus. Ah, ça y est, c'est bon. Bon. Voilà, est-ce qu'on peut savoir maintenant sur quelle thématique? Parce que j'ai l'impression quand même que tu fonctionnes un peu. Comme ça, avec des questions de société. Les deux premiers étaient sur le monde du travail, là, la désobéissante, et celui-là, visiblement, sur la société et l'engagement. Et puis, la deuxième question, c'est tu parlais de ton rapport au corps. Et en fait, comment t'écris? Est-ce que tu as des grandes phases d'écriture? Est-ce que tu as besoin de marcher, courir, faire du vélo pour écrire? Enfin, voilà. Salut Charlotte, merci de me poser des questions. Je vais répondre à la deuxième en premier. Alors j'écris dans mon lit, ce qui est très mal parce que du coup ça me fait mal au dos et puis j'ai mal au cervical. Mais je me sens punie quand je suis à un bureau, donc du coup j'ai vachement de mal à écrire ailleurs que dans mon lit. Avant j'écrivais dans des cafés, mais n'est plus possible. J'écrivais parfois dans des cafés, puis la moitié du temps dans mon lit.
En revanche, oui, j'ai besoin d'avoir une activité physique. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'aérer le cerveau, j'ai besoin de regarder, tu vois, d'être en mouvement et de voir le monde autour de moi. Ça, c'est essentiel. Donc toujours, je pars faire un petit tour à un moment de la journée. Voilà pour l'hygiène de mon écriture. Et sur ce que j'écris, bah, là, le prochain, c'est... En fait, je vais te dire un truc, je pense que je n'arriverai pas à arrêter d'écrire sur les sujets relatifs à la catastrophe de la société de consommation et l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique tant que ces questions n'auront pas été réglées. Et il semblerait que j'ai quelques années devant moi, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air pressés. Donc voilà, je continue sur ces sujets-là jusqu'à ce que ça rentre, putain, que les choses changent un peu. Mais donc là, mon prochain... Ma prochaine activité, ça sera pour... je sais, pas, je sais pas au coup. J'arrive. Ah merde, ok, j'arrive. Pardon, je suis en résidence, comme je vous expliquais, je ne suis pas seule. Et la prochaine activité, c'est un livre pour ados, mais je n'ai pas trop le droit de parler, je ne sais pas trop pourquoi, mais on m'a dit que, enfin, dans le contrat, il y a écrit que je n'ai pas le droit de parler. Mais ça te parlera, Charlotte. Et ça sera aussi sur cette question-là de catastrophe environnementale. Et puis voilà, je pense que ça restera mon terreau tant que les choses n'évolueront pas vraiment. Je reste arqué sur ce genre de considération pour l'instant. Mais le sujet est vaste, hein, parce qu'il a tellement d'externalités qu'il est intarissable. Vrai. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est au bout. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Jennifer, c'était passionnant. Merci, merci à toi. Merci pour cet entretien, c'était chouette. Puis, bah, merci à tous. Et puis, à bientôt, alors. Ouais, à très bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne Au soirée à tous. Au revoir. revoir. Salut. Merci encore, Nicolas. Trop Merci. sympa. Bon, bah, bonne soirée alors. Ouais, bonne soirée, à très bientôt. On se reparle vite, ok? Ouais. Je Bisous. filoche, mais ciao. Thank you.